16, c'est les femelles. Ouh, très jolie femelle de Diamond Green. Tiens, c'est étonnant de voir Diamond Green ici dans le Chaser Day, un étalon qui faisait la monte dans le sud-ouest au Haras des Granges, avant d'émigrer cette année au Haras du Lyon ou dans l'Anjou. Il a obtenu un grand succès populaire. Juste Diamond Green, il est père actuellement du meilleur deux ans de France, c'est-à-dire Sexy Metro, qui vient remporter un succès explosif dans le prix La Flèche et qui sera candidat bientôt au prix Borny. Faut savoir qu'ici, on a déjà trouvé une gagnante du groupe à 2 ans, Ripska, sur ce Chaser Day. Alors pourquoi? Et la souche maternelle d'ailleurs a gagné le prix de Cannes, puisque la troisième mère Vereva a remporté le prix de Cannes. Et cette vol sans life, la fille de Diamond Green, nous est présentée par Elodie Bennett. Sur le ring numéro 2, les mâles, nous avons le 39. Le 39. Tenak, un fils de Walk in the Park, le très convoité Walk in the Park, qui a été acheté tout de même il y a 2 ans la bagatelle de 1 million d'euros. Oui, il a été acheté 1 million d'euros par Coolmanston, Walk in the Park. Il a proposé ses services à 10 000 euros et il a fait 300 jouements la première année en Irlande. Walk in the Park, le père de Louvain notamment, le père de Mille également, et le père de Tenak, qui est ici, né le 25 mai, présenté par le rat de Fédot, Luc Vergette. C'est la famille de Laringe, notamment, et non du Richard Robert Hennessy, dans les années 90. Et plus près de nous, nous avons Élimet, dans cette famille, deuxième du Bourneusienne, à l'âge de 3 ans. Voilà donc pour Tenak, le numéro 39, fils du très convoité Walk in the Park. Alors, c'est la fin de la section des mâles, donc on va enchaîner sur le ring numéro 2. Alors on va enchaîner sur le ring numéro 2.